La prière du matin. Seigneur Jésus, tu nous appelles tous à toi. Laissez vos intentions de prière en commentaire, n'hésitez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prières quotidiennes, et de partager la vidéo. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu d'amour, merci pour ton souffle de vie renouvelé en nous ce jour. Par ta grâce, Seigneur, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Que ton règne soit exalté par toute la terre. Donne-nous de te rendre grâce chaque jour pour ton immense amour. Accorde-nous, Seigneur, la grâce de n'aimer et servir que toi qui es le seul et véritable Dieu, et fais grandir en nous l'amour fraternel. Père, nous te confions cette semaine, que ton amour nous accompagne, Seigneur, et que ta volonté guide nos pensées, nos paroles et nos actes afin que nous ne nous éloignions pas de toi. Bénis-nous, Seigneur, bénis notre famille, bénis nos activités et nos projets, accorde-nous la grâce de nous laisser rencontrer aujourd'hui et tous les jours par le Christ ressuscité. Seigneur, envoie-nous ton Esprit Saint, qu'il illumine notre cœur, et le dispose à écouter ce qu'il nous dira de la part du Seigneur Jésus, et nous aide à discerner le mal. Pardonne nos péchés, Seigneur, détruis en nous ce qui ne glorifie pas ton saint nom, et donne-nous la force de nous repentir afin que, guidés par l'Esprit Saint, nous puissions être des bâtisseurs d'amour et des artisans de paix. Que l'Esprit de vérité nous conduise dans la vérité tout entière. Nous te confions nos enfants, en particulier ceux qui préparent des examens ou des concours. Envoie sur eux ton Esprit Saint, qu'il les protège, les guide et leur donne la force d'étudier sans relâche leurs leçons, afin de nous apporter de bons résultats en fin d'année. Seigneur Jésus, accorde-nous la grâce d'ouvrir nos cœurs à ta parole, et donne-nous la force de la garder. Augmente notre foi, Seigneur, et donne-nous la sagesse, par Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Je te remercie, Seigneur, pour toutes les bénédictions que tu m'as données et pour ta présence constante dans ma vie. Je te promets de faire de mon mieux pour honorer ta gloire et pour faire le bien autour de moi. Seigneur, je te confie ma journée. Amen. Maintenant, prions pour toutes vos différentes intentions de prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages, ait été abandonné. Animé de cette confiance, ô Vierge des Vierges,
Ô ma mère, je viens vers vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences, par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de cœur sacré et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Amen. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son cœur sacré et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés. Préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur lève sa face vers toi et te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen.